Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais évoquer le choix de la défaite d'Annie Lacroix-Rise. Alors Annie Lacroix-Rise, j'en avais entendu parler énormément sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les forums, et je me rappelle que j'avais eu un grand débat sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'ancien forum Comlife, avec l'ancien modérateur Adora, qui était membre en fait du parti, je il me semble, d'Annie Lacroix-Rise, et qui l'avait eu comme prof à la fac. Parce que Annie Lacroix-Rise, c'est une historienne française, elle est normalienne, c'est-à-dire qu'elle a fait Normale Sup, professeure d'histoire contemporaine à Paris 7, et elle est auteure de nombreux ouvrages sur l'entre-deux-guerres. Elle est militante du PRCF, le pôle de renaissance communiste en France, qui est un parti marxiste-léniniste. Scission du PCF qui a été fondée en 2004. Alors son programme est de revenir à la politique d'avant le 22e congrès du PCF qui avait abandonné la dictature du prolétariat. Alors ce parti est contre l'Union européenne, l'euro, et veut restaurer la souveraineté de la France pour élaborer le socialisme dans un seul pays qui fut la devise de Staline, que ce mouvement d'ailleurs cherche à réhabiliter. On nomme souvent les membres du PRCF des staliniens, on les accuse de stalinisme, mais en fait eux-mêmes se revendiquent à la limite staliniens, hein. C'est pas une insulte pour eux, hein. Autant le terme stalinien est devenu évidemment péjoratif depuis qu'on connaît l'histoire de l'URSS sous Staline, mais chez ces militants, la période stalinienne en fait n'est pas catastrophique, elle est plutôt une période de construction du socialisme et d'édification de l'État soviétique, qui a permis notamment de résister à Hitler. Je signale d'ailleurs qu'Annie Lacroix-Rise remet en cause l'Holodomor, c'est-à-dire la famine qui a tué plusieurs millions d'Ukrainiens dans les années 20 et qui a été provoquée en partie par Staline, et qu'elle parle, l'évoque simplement une disette. Alors pourquoi préciser la position idéologique d'Annie Lacroix-Rise? Parce qu'il me semble que c'est important pour comprendre aussi certaines assertions dans son choix de la défaite. On peut se demander, à juste titre, et moi j'ai déjà la réponse, enfin ma religion est déjà faite, si Annie Lacroix-Rise est plus historienne que militante politique, ou le contraire. Alors, le choix de la défaite, une défaite de l'historienne. Bon, j'ai choisi ce titre parce que je l'ai analysé, et donc j'en ai tiré une conclusion. Alors, le choix de la défaite, c'est un livre qui a eu quand même pas mal de succès, puisque il a déjà été publié par une maison d'édition tout à fait respectable, Armand Collin, qui publie énormément de livres universitaires. Et moi, j'ai lu la deuxième édition, donc ça veut dire que la première édition a été épuisée. Et dans ce choix de la défaite, Annie Lacroix-Rise va beaucoup parler du complot synarchique. D'ailleurs, j'ai mis à côté une affiche qui annonce une des conférences de l'historienne, avec le titre « La synarchie, patronat et fascisme dans les années 30 et 40 », avec une petite caricature où on voit un gros monsieur avec une tête remplacée par un sac de pépettes, qui pense mieux vaut Hitler que le Front populaire. C'est la thèse en fait de l'aquarienne hein, dans son choix de la défaite, c'est que pour elle, les élites françaises ont choisi Hitler plutôt que le Front populaire. Thèse qu'il est assez facile de démonter en fait, hein, puisqu'il me semble que la République française avant, dans les années 30, n'a pas fait alliance avec l'Allemagne hitlérienne, ce qui ne fut pas le cas de l'Union soviétique. Donc déjà, si on étudie tout simplement les relations diplomatiques entre les deux pays, on s'aperçoit que la thèse lacroixienne est fausse. Alors le complot synarchique. Bon, alors le complot synarchique, c'est une vieille lune en fait de l'extrême droite française. Et là, je vous renvoie au livre d'Olivier Dard, La synarchie, le complot permanent, qui a été écrit en 2012. En tout cas, qui est sorti plutôt encore dans la collection Tempus en 2012, et qui, évidemment, étudie ce fantasme d'une certaine extrême droite française que reprend Lacroix-Rise,
qui se dit marxiste-léniniste. Mais elle n'est pas une contradiction près, on va le voir. Parce que ce choix de la défaite, moi, je ne me suis pas contenté de regarder ses nombreuses vidéos sur Internet, parce que ses conférences sont filmées et sont mises sur la toile. Et je pense que la grande majorité de ses fans n'ont pas lu son livre, mais ont plutôt regardé ses conférences filmées. Parce que lorsqu'on lit, lorsqu'on entame le livre Le choix de la défaite, dès la page 1, le livre a failli me tomber des mains. Pourquoi ? Parce que Annie Laquari fait référence à un article de Jean Mamy, alias Paul Rich, du 21 août 1941, dans L'Appel, qui est déjà un hebdomadaire de la Ligue française du nazi français Pierre Constantini, dont le titre était « Complot contre l'État », qui faisait état d'une association mystérieuse de polytechniciens, d'inspecteurs des finances et de financiers, qui depuis 10 ans s'était constituée pour prendre le pouvoir. Alors je rappelle que Pierre Constantini avait un micro-parti d'inspiration nazie et qu'il a œuvré dans l'ultra-collaboration parisienne pendant la collaboration, c'est-à-dire durant, pendant 1940, entre 1940 et 1944, avec Doriot, Déa et de l'oncle. Donc c'est assez curieux déjà de voir qu'une historienne qui se dit marxiste s'inspire de sources nazionnes. Tout à fait curieux, étonnant. J'ajouterai qu'il est difficile de porter du crédit à ce type de prose nazionne et que normalement, tout historien qui se respecte écarte ce genre de sources. Parce que si on commence à s'inspirer d'écrits nazillons pour prouver un phénomène, qu'il soit politique, sociologique ou économique, pourquoi pas se référer à Mein Kampf pour prouver le complot juif mondial. Alors ce complot synarchique, Annie Laquari, elle va l'utiliser ad nauseam dans son livre « Le choix, la défaite ». Elle va principalement se sourcer, entre autres, mais la principale source, c'est le rapport d'un fonctionnaire vichiste, Henri Chavin, qui écrivit en 1941 un livre sur le complot synarchique. Toujours la même réflexion, il est curieux qu'une historienne dite marxiste s'inspire pour arguer, pour prouver le complot synarchique sur des écrits d'un fonctionnaire vichiste qui fut péténiste jusqu'à la fin. Mais on le verra, Annie Laquari n'est pas une contradiction près. Alors, ce complot synarchique, hein, elle va filer la métaphore au-dessus. Page 544, il y a le triomphe final d'un vieux complot, mai juin 40. Pour Annie Laquari, la cagoule de Jeanne de l'Oncle et les synarques se seraient concertés avec Hitler pour la déclaration de guerre, puis pour précipiter l'armistice. Je rappelle que la cagoule, en fait, était une organisation secrète qui a essayé de prendre le pouvoir en 1937 en faisant un coup d'État qui a fait pchit. C'est-à-dire que ce coup d'État, il a duré que quelques minutes, hein, parce qu'il était le fait de quelques branquignoles mal inspirées, dont Eugène Deloncle. Ça renvoie plus au pied nickelé, la cagoule, que à, je sais pas, à d'autres organisations, qu'à la SA, par exemple, d'Hitler. Je vois mal, d'ailleurs, Hitler aller rencontrer ce fantasque d'Eugène Deloncle pour prévoir la future déclaration de guerre et la future armistice. Là, on est, il faut bien le dire, dans du gros délire. Alors, le complot des militaires, ça c'est la grande thèse d'Annie Laquari, les militaires français ont sciemment saboté l'action de l'armée
pour faire perdre l'armée française devant les armées allemandes. Ça commence page 547 avec une rencontre le 20 mai 1940 au château de Ferrières, près de la Meuse, entre Weygand, Pétain et des parlementaires allemands. Bon, évidemment, cette rencontre n'a jamais été évoquée par des historiens, par d'autres historiens. Et chronologiquement, c'est quasiment impossible d'imaginer une telle rencontre, puisque la veille, Weygand venait à peine d'être nommé généralissime en remplacement de Gamelin. Donc je vois mal Weygand, qui venait en fait du Levant, arriver à Paris et dès le lendemain, déjà décider d'aller rencontrer des émissaires allemands pour l'armistice. Évidemment, c'est une assertion qui n'a ni queue ni tête. Et d'ailleurs, la source qui est unique, c'est en fait est trouvée dans un bouquin écrit par un certain Charles Rist, avec des propos qui sont assez confus, hein. Je rappelle que le biographe de Weygand, évidemment, ne fait pas écho à cette rencontre qui relève plus du fantasme que de la réalité. Alors, Annie Lacroix-Rix, pages 547 et 548, elle nomme l'agent principal du complot ayant abouti à la défaite, c'est le général Hunziger, alors commandant de la 2e armée française, qui s'est pris l'offensive allemande dans la gueule, à Sedan. Alors, sur quoi se base l'historienne pour affirmer la trahison d'Hunziger? Ben, elle s'appuie sur une note de 1945 qui est anonyme. Mais elle ajoute que Hunziger fut mis en cause dans la presse par l'œuvre le 10 décembre 1940. Je rappelle que l'œuvre était un canard d'extrême droite, ultra-collabo. Je vois pas vraiment la logique, en fait, lacroixienne, puisque elle appuie une note anonyme de 1946, 45 par un article d'un journal ultra-collabo de 1940. Donc globalement, on peut s'interroger sur la crédibilité de ces sources. D'un côté, vous avez une source anonyme, la belle affaire, et de l'autre, nous avons un article d'un journal ultra-collabo. Toujours pareil, si on commence à utiliser des sources aussi fantaisistes, pourquoi pas utiliser Mein Kampf pour arguer du complot juif mondial? D'ailleurs, je note que tout ce passage renvoie à la note 264, qui est une note sur l'armistice et les responsabilités encourues par Pétain et Laval, jointe à la lettre de Max Coupet à son visiteur, Paris, 13 avril 1945. Et j'ajoute que l'auteur de cette note est anonyme. En général, les historiens sérieux ne s'appuient pas sur des sources anonymes. C'est le béaba de l'histoire qu'on apprend en première année de fac. J'ajouterai d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de recourir au complot pour expliquer la défaite des armées françaises face aux armées allemandes, et qu'il y a des explications très rationnelles. C'est pas le sujet, mais j'ai fait une vidéo sur la bataille de France. Je vous y renvoie, ou en tout cas, je mettrai un lien dans la description en fait de ma vidéo, qui renvoie à ma vidéo sur la bataille de France. Je mettrai d'ailleurs aussi un lien vers un topic que j'ai ouvert sur la lecture critique du choix de la défaite d'Annie Lacroix-Rix, que j'ai ouvert sur le forum francophone Ardoire. Alors, le complot des maréchaux soviétiques. Oui, évidemment, comme je vous ai dit, que Annie Lacroix-Rix fait partie d'un mouvement communiste orthodoxe qui veut réhabiliter la période stalinienne. Évidemment, il y a un passage assez croustillant sur la culpabilité en fait des maréchaux soviétiques contre le régime stalinien, puisque je rappelle qu'à partir de 1937, Staline va purger de manière massive l'armée rouge, et que des officiers généraux soviétiques vont être exécutés, dont le maréchal Toukhachevski, avec quelques acolytes, qui vont être arrêtés, torturés, jugés à huis clos et exécutés.
Alors évidemment, les causes de cette gigantesque purge semblent dues à la paranoïa de Staline, qui depuis la mort de Kirov en 1934 avait engagé une politique de répression tout azimut appelée la Grande Terreur. Mais la Croix-Rie, elle, évidemment, comme elle veut réhabiliter la période stalinienne, elle écrit, page 395 à 401, « Non, non, mais vous vous trompez, il y a bien eu un complot des maréchaux soviétiques contre Staline. » Et cette hypothèse, comme elle dit, elle vient des aveux mêmes des accusés. Hein ? Déjà, ce complot avait été évoqué lors des procès de Moscou, les procès de Zinoviev et Kamenev, des bolcheviks historiques, en août 1936, qui avait été évidemment jugé coupable, qui avait été condamné à mort et exécuté, mais aussi les aveux de Karl Radek en 1937, lors du deuxième procès de Moscou. Les aveux de Zinoviev, Kamenev, Karl Radek prouveraient la collusion entre l'opposition trotskiste, dont faisaient partie les maréchaux, la Gestapo, ce qui donna l'adjectif hitléro-trotskiste, hein, expression d'ailleurs qui a été dénoncée par l'historien marxiste Pierre Brouet. Pierre Brouet, qui est le biographe de Trotsky, qui est un historien marxiste, avait dénoncé le retour de cette expression hitléro-trotskisme sous la plume d'Annie Lacroix-Rix. Alors Pierre Brouet est un historien certes trotskiste, donc qui n'est pas vraiment sur la même ligne que Madame Riz, mais évidemment que Trotsky n'a jamais collaboré avec la Gestapo et avec l'Allemagne nazie. Cela relève du fantasme et de la paranoïa stalinienne, évidemment. Hein, je rappelle que Staline a fait assassiner Trotsky en 1940 par... Ramon Mercader, à Mexico. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur les procès de Moscou et sur cette farce que furent ces procès fantaisistes, hein, avec un procureur, Wyszynski, qui s'amusait à insulter les accusés. C'est rare en général qu'un procureur ou un juge, même dans un procès, insulte les accusés, hein. Mais le plus incroyable, en fait, dans l'argumentation de Annie Lacroix-Rix, c'est qu'elle écrit que touche Kazetsky et ses acolytes, en tout cas que les aveux des maréchaux étaient tellement cohérents et précis qu'ils ne pouvaient pas avoir été appris par cœur. Voilà, voilà la thèse alternative de Lacroix-Rix, c'est que le NKVD certainement ne devait pas utiliser la torture et que les maréchaux, dont tout Kazetsky, n'avaient pas pu apprendre par cœur des aveux aussi précis et concis. Bon, il faudrait quand même qu'elle étudie sérieusement les procès de Moscou, et notamment les méthodes du NKVD. Mais on ne peut comprendre ce passage que si on sait qu'Annie Lacroix-Rix fait partie en fait, d'un parti qui veut réhabiliter la période stalinienne. Donc ici, on a plutôt l'idéologue qui écrit plutôt que l'historienne. Alors en conclusion, j'évoquerai l'opinion de l'historien Jean-Louis Panet, qui a fait un post en fait sur le choix de la défaite, que je trouve d'une justesse assez étonnante. Le choix de la défaite se tient au carrefour de l'histoire et du pamphlet politique, à destination d'un public militant, qui n'aura ni le temps ni les moyens de vérifier la moindre des assertions de l'auteur. Moi j'ai vérifié, et j'ai eu envie de vérifier les assertions de l'auteur. Et je me suis aperçu, comme je l'ai démontré, que Madame Lacroix-Rix s'abreuve sur des sources totalement fantaisistes. Le militant se trouvant dès lors réduit à croire sur parole, mais satisfait sans doute de trouver là la confirmation tautologique de cette disposition idéologique, une représentation simpliste du capitalisme qui s'apparente plus à la caricature, le monsieur haut de forme avec le gros cigare, hein, qu'à une réelle analyse, même marxiste. Là, je confirme, l'analyse lacroixienne, d'ailleurs, n'a rien de marxiste, puisque toutes ces pages sont saturées, en fait, de noms de personnalités
personnalités qui sont souvent calomniées par Annie Lacroix-Rix, ce qui n'est pas très marxiste, hein. En général, lorsqu'on est historienne ou historien, on n'insulte pas ni on ne calomnie, en fait, l'objet de son étude, et même les individus. Or, je prends l'exemple d'un Raoul Dautry, qui fut ministre notamment du réarmement en 1939-1940, et que Madame Rix calomnie de manière récurrente, que ce soit dans son choix de la défaite ou dans son livre de Munich à Vichy, qui est d'ailleurs un copier-coller du choix de la défaite. Il faut lire d'ailleurs le bouquin La biographie de Raoul Dautry par Rémy Baudouis, où on s'aperçoit que Madame Rix, elle raconte beaucoup d'âneries. Je rappelle que Raoul Dautry fut celui qui évita que l'eau lourde norvégienne tomba aux mains des Allemands en 1940. Hein? Il fit rapatrier notamment l'eau lourde norvégienne par bateau, et au lieu que ce bateau rejoigne l'Hexagone, il le fit dévier vers l'Angleterre. Donc je me demande pourquoi, si M. Dautry était un collabo notoire, un cagoulard, un synarque à la solde des Allemands, je me demande pourquoi ce même Dautry n'a pas remis en main propre l'eau lourde norvégienne aux Allemands. Mais ceci est une autre histoire. Bon, je vous remercie, à bientôt et bon week-end.